Donc, si je vous entends bien, vous voulez que je vous marie sur un bateau mouche, à côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et puis si je peux réciter un « Je vous salue Marie » pour votre grand-mère, ce serait cool. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Vous voulez pas non plus que je vous rajoute quelques rites orientaux ? Ah si ! En plus, j'adore le thé vert à la menthe. Je sais pas si ça va faire plaisir à ma grand-mère. Oui, mais Rachid, il sera content. Votre témoin est musulman ? Non, c'est son fils. Alors, pour la musique... Ah, je peux jouer de la guitare ? Chérie, je sais pas ce que t'en penses, mais je me demande si la guitare, ça va pas faire un peu collage dans ce mariage. Oui, restons sobres. Bien. Alors, nous étions sur la forme, parlons à présent du fond. Oh, mais j'y pense. Tant qu'on y est, on pourrait faire le baptême de Rachid. Tu veux dire sa bar mitzvah ? Oui, son Yom Kippour. Oui. Vous voulez peut-être dire le présenter devant Dieu ? Devant Dieu. Oui ? Ça pourrait pas être Allah, Yahvé ou Bouddha ? C'est plus moderne. Et puis Dieu, ça fait un peu réducteur. C'est vrai que là, il est de plus en plus réduit. Bien, pour en revenir au fond. Ah, oui. Et vous allez pas nous faire le coup de lire des textes qu'on comprend rien. Et on ne se détournera pas du commandement du roi dans ce qui regardait les sacrificateurs. C'est-à-dire que je pensais... C'est un mariage. On veut que ça soit gay, que les gens rient. Et c'est vrai que des fois, je vois pas trop la différence avec un enterrement. Oh bah si, la robe. À propos, vous avez un service pour les robes de mariée ? Ah non, a priori, vous avez pas de service. Nous avons une demande un peu particulière. Oui, on voudrait pas vous choquer. Non, non. Voilà. Nous ne voudrions pas de lancer de riz à la fin de la messe. De la célébration. Oui, oh, c'est pareil. Nous voudrions... Mais c'est un peu fou, je vous préviens. Bon, alors, nous voudrions... Ça va pas passer, je sens que ça va pas le faire. Nous voudrions... Lâcher le ballon. Oui, c'est ça. Il faut que je réfère au patron. Vous n'êtes pas à votre compte. Enfin, quand je dis le patron, c'est le grand patron. Vous parlez avec ? Oui. Je peux écouter ? Ah, si vous avez des oreilles pour entendre. Bah, c'est-à-dire que je me suis cassé le tympan parce que je fais de la plongée sous-marine, mais... Non, mais moi, je suis pas en condition, là. Oh, c'est excitant ! Tu vois, je t'avais dit que les pasteurs étaient très ouverts. C'était pas un rabbin. Mais non, il avait pas la main de Fatima. Mais je croyais que les protestants l'ont trouvé qu'aux États-Unis ou aux Pays-Bas. Ça, c'était avant la légalisation des protestants. Ils sont venus en France un peu après. En tout cas, il nous a bien écoutés. Qui ? Bah, le pasteur. Oh, j'ai cru que tu parlais de lui. Mais non, lui, il parle. Des fois, j'aimerais bien que tu parles avec une vraie voix.